Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22h. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de l'État du Puntland en Somalie, Cyril Abdoulaye Deni, accompagné d'une forte délégation, est arrivé ce midi à Djibouti. En titre, l'arrivée du président du Puntland à Djibouti, le président de l'État de Puntland en Somalie, Cyril Abdoulaye Deni, accompagné d'une forte délégation et des membres de son gouvernement et de hauts responsables, est arrivé ce midi à Djibouti pour une visite de travail. À son arrivée à l'aéroport de Djibouti, la délégation du Puntland était accueillie par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, en présence du ministre des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, du président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. Après son arrivée, le ministre des Affaires étrangères a eu un bref entretien dans le salon d'honneur de l'aéroport de Djibouti. Les voies et moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux parties ont été discutées. Durant son séjour à Djibouti, le président de Puntland aura des entretiens avec les plus hautes autorités du pays, et ainsi que les voies et moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux parties ont été discutés lors d'entretien avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale et le président du Puntland en Somalie, Cyril Abdoulaye Deni. Le président du Puntland était accompagné d'une forte délégation des membres de son gouvernement ainsi que des hauts responsables de son pays. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cyril Abdoulaye Deni iyo wafdigii uu hoggaaminayo oo ka koobnaa 7 xubnood ayaa waxa airportka caalamiga ah ee dalkani Jamhuuriyadda Djibouti ku soo dhaweeyay. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf iyo sidoo kale wasiirka gaadiidka iyo dekedaha ee dalkani Djibouti Muuse Maxamed Axmed. Wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cyril Abdoulaye Deni ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka ganacsiga Cabdullaahi Cabdi Xirsi iyo sidoo kale wasiirka gaadiidka Ilyaas Ismaan Lugato. Intaa kadib ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cyril Abdoulaye Deni iyo wafdigu uu hoggaaminayay waxay kulan gaara ku wada qaateen hoolka shirarka airportka caalamiga ee dalkani Djibouti, waxaana ka wada hadleen xiriirka iskaashiga cilaaqaadka walaalnimo ee ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Djibouti. Waxaana intaa kadib warbaahinta la hadlay Cali Cabdi Awaare oo isagu ah la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, waxauna ka warbixinayaa ujeedada socdaalkooda. Safarka iyagan ujeedadiisu waxay tahay oo xiriir fog oo qoto fog oo runtii Puntland iyo Jamhuuriyadda Djibouti ay lahaayeen oo soo jireena, xiriirkii uun xoojintiisii ayaa safarka ujeedadiisu ay ahayd, iyo arrimo kaleeto oo kolley u muhiima danaha labada dowladood. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa lagu wadaa muddada halkan uu joogo inuu kulamo gaargaara la qaato madaxda dalkani Djibouti, iyaga oo ka wada hadli doona sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka walaalnimo ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Djibouti, gaar ahaan Puntland iyo dowladda Djibouti. Waxaana safarkani uu ku soo beegmay xilli dowladda Soomaaliya ay waddo dadaalo ku aadan sidii laisugu keeni lahaa maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya, iyadoo lagu wado in dhowaana uu shir ka dhaco magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug.